السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الصيادلة في جميع أقطار الوطن، أحييكم تحية أخوية. بمناسبة شهر رمضان اللي يوم الخميس إن شاء الله ليلة الشك، إذا نحن نصوم الجمعة أو السبت، بمناسبة هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، أغتنم الفرصة وأقدم لكم تحياتي الخاصة وباسم المكتب الوطني وباسم النقابة، متمنيا إن شاء الله أنكم تصوموا بخير وسط أهلكم وعائلتكم. إن شاء الله يمر علينا هذا الشهر بكل خير، وإن شاء الله نعيده أيضا بكل خير. إذا نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ومنكم صيامنا وقيامنا. هذا الشهر، هذا العام جاء في ظروف خاصة، احنا في أزمة الكوفيد، هذا الوباء اللي بسببه رانا في ظروف استثنائية، انعكاسات من جميع الجوانب. اولا يعني فيما يخص العمل في شهر رمضان، فشيء طبيعي جدا وبصفة تلقائية، الحجر، القانون لسير الحجر يعني الكونفينمون، هو اللي راح يسير مواقيت العمل. إذن إجابة على تساؤلات الصيادلة، لازم يكون في علم الجميع أن العمل راح يتم في ساعات النهار فقط، إلى السابعة مساء أو إلى الثالثة مساء على حسب مواقيت الحجر الرسمية، اللي هي قرارات تقريبا بمستوى قانون اتخذت بمراسيم رئاسية، إذن هي مفروضة. ووراء المغرب مادام ما كاش صلاة الجماعة، ما كاش خروج، الحجر مستمر، إذن ما كاش عمل ما عدا في إطار المناوبة. هذه باش تكون نقطة واضحة للجميع. مازال بعض التساؤلات فيما يخص البسيكوتروب. لو ديكري راهو كان هناك بيان رسمي من رئاسة الحكومة، وتم اعتماد مرسوم يؤجل العمل بالمرسوم 19379، إذا نعتبر رسميا بأنه مؤجل، ولو إلى أنه لحد هذا التسجيل ما خرج عدد جديد من الجريدة الرسمية، خرج العدد 22 العدد 23 ولم يتم نشر المرسوم التنفيذي، ولكن نعتبر بلاغ الحكومة باسم رئيس الحكومة وبموافقة مجلس الحكومة على تأجيل المرسوم أن التأجيل رسمي، إذن هذه ما فيهاش شك. إذن وصل العمل فيما يخص المؤثرات العقلية بنفس النظام اللي عهدناه من السابق. كاين أيضا مشاكل نعاني منها فيما يخص لا كونفونسيون كناس وكاسنوس، والمكتب الوطني في اتصال دائم ويومي مع المديرية العامة تاع الكناس أو الكاسنوس، وهناك مشاكل شوية يعني صعبة في بعض الولايات، نذكر منها ميلا، طارف، عين تيموشنت وعين دفلة والشلف، ولكن احنا نتعامل معها بصفة يومية. للأسف احنا نصوم en face d'incompétence parfois même je suis obligé de le dire face à la mauvaise foi de la part de certains responsables locaux de la CNAS, mais nous sommes en train de gérer la situation au quotidien avec la DG et avec nos bureaux de wilaya. J'appelle juste nos bureaux de wilaya pour ne pas relâcher. Il faut toujours maintenir la pression localement pour que les problèmes des pharmaciens soient pris en charge, notamment en matière de paiement. Il y a une note de la DG qui a été envoyée qui insiste fermement sur l'application de l'article 20, donc payer les pharmaciens le 16e jour. Il y a aussi d'autres problèmes rencontrés, c'est le manque de fonds. Parfois les dossiers sont traités, mais les agences ne disposent pas d'argent. Et là, ils sont obligés de faire un appel de fonds à la DG qui va leur débloquer les fonds nécessaires pour les payer les pharmaciens. Malheureusement, certains directeurs rechignent à le faire pour qu'ils ne soient pas donc montrés du doigt par leur DG pour incompétence. Mais il faut toujours suivre la situation de manière continue et très étroite. Je tiens aussi donc à saluer tous les pharmaciens d'officine pour leur effort de solidarité suite à l'appel du SNAPO.
Il y a des bureaux de wilaya qui ont pu récolter jusqu'à plus de 7 millions de dinars. Et les opérations se passent très bien, donc c'est des opérations de dons qui sont donc destinées à une utilisation locale. Je remercie tous les pharmaciens et tous les bureaux de wilaya qui ont donc fourni beaucoup d'efforts pour concrétiser cette opération qui, je rappelle quand même, est nécessaire parce qu'on a remarqué que beaucoup de structures locales manquent de moyens. Vous savez très bien que le gouvernement, il y a à peine une semaine, a fait un appel. Le Premier ministre a demandé à tous les ministères d'écouter les partenaires, les employeurs, les syndicats concernant les difficultés économiques suite donc à cette crise liée au Covid-19. Le SNAPO n'a pas attendu que le ministère l'appelle. Donc on a fait notre rapport suite à des concertations au sein du Bureau national et nous avons donc adressé nos doléances au Président de la République, au Premier ministre et en copie donc nous les avons adressées au ministère du Commerce et au ministère de la Santé qui ont promis donc d'en tenir compte et de donner une suite par rapport à ces propositions. Nous avons axé principalement donc nos doléances et propositions sur l'aspect fiscal et bien sûr sur les relations conventionnelles avec la sécurité sociale dans le cadre de tous les efforts fournis par les pharmaciens dans le cadre du tiers payant. Vous savez très bien aussi qu'il y a eu donc installation depuis un peu plus d'une semaine du directeur général de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé, il s'agit du docteur Nibouch Mohamed, et il y a à peine 24 heures, l'installation du directeur général, d'un nouveau directeur général à la tête de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'Agence du médicament. Il s'agit du professeur Kamel Mansouri, junior. Donc ce sont deux personnalités que nous connaissons très bien, ce sont deux pharmaciens et qui connaissent très bien le SNAPO. Donc on a pris attache avec ces deux nouveaux cadres, ces deux nouveaux DG et donc il est attendu qu'on se voit prochainement dans le cadre de réunions professionnelles et techniques. Je tiens aussi à vous informer que le travail du SNAPO ne s'arrête pas au quotidien, que ce soit au niveau des bureaux de wilaya ou bien au niveau du bureau national. Le bureau national a déjà tenu trois réunions par visioconférence. Nous tenons notre quatrième réunion samedi prochain à 14h. Donc, encore une fois, pour terminer, je vous souhaite un bon et agréable Ramadan au sein de vos familles, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos conjoints. J'espère que, Inch'Allah, on passera la fin du Ramadan dans un déconfinement et avec de bonnes nouvelles et qu'on passera un Aïd agréable. Donc, Ramadan Karim, wa Aïdoukoum Moubarak, tsoumou tafturou bissiha, Inch'Allah, et il faut rester toujours fort, solidaire, et gardons toujours espoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.